Bonjour à tous, c'est Danny Play 38 et on va continuer notre aventure. J'espère que ça va vous plaire. Allez, mon pote, on continue, mes potes. Tout le centre de l'opération est là. Ouais. Tant que ça fait chier Dawes, ça envoie la merde. Bon, Alors, c'est qui là, je pense qu'on va rentrer dans une. Ils foutent les gens dans des broyeurs. À l'intérieur d'un. Super bonne. Dans une balle, je pense. On va rentrer. Il est aussi au centre de l'opération que Dawes mène. Alors. S'il tombe. On va regarder s'il n'y a personne dans cette dans ce lieu. Là, ça devrait être une petite mission, je pense, pas une grande. Si je me rappelle bien, ça doit être une petite mission. Allez, on y va. Ouh. Allez, on va descendre petit à petit. Alors. Oui, ils sont là, regardez, ils sont tout là-bas. Bon. J'ai été obligé de recommencer parce que j'avais joué un truc. Regardez, j'ai pris une petite arme silencieuse. J'ai même un machin silencieux, mais. Attendez. Tenez, voilà l'action sommet. Allez, tiens. Tenez, tiens. Comme de stupide, tiens, je vous tire dessus, moi. Allez, je suis là, moi. Allez, montez. Tiens. Je te lâche pas, Nick. Allez, tiens. Merci. Tiens. Mais meurt. Mais putain, il meurt pas, le mec. Putain, mais c'est quoi, ça? Voilà. Oh, j'ai eu les deux en même temps. Ah, ça, c'est cool. Ils sont où? On va aller là-bas. Non. On peut pas passer de ce côté là-bas. Bon. On va essayer de passer. Ouais, venez, je suis là. Hein. Bon. On va descendre en bas. Attendez, je regarde où ils sont en fait. Parce qu'il y en a là-bas. On dirait qu'il n'y a rien. Bon, on va remonter petit à petit vers le haut. Attendez. Où ils sont là? Ah, ils sont là, d'accord. Reste. Oui, reste ici, toi. Tiens, voilà. Il est mort. Ah, j'adore ce jeu. J'adore vraiment ce jeu. Et j'espère qu'on va aller très loin avec. On va buter tous les gens qui passent. Ouais, j'aime bien, je préfère les tuer que les arrêter en fait. C'est mieux, hein. Et il est là. Attendez. Mais meurt. Mais il meurt même pas, le mec. Tiens. Le mec qui a un acide, je me tape dans la tête, il meurt même pas, tiens. Allez, on va continuer, on va aller petit à petit là-bas. Là, il ne doit plus rester beaucoup de personnes, j'en ai tué quand même beaucoup. Allez, on va se mettre ici, du côté de notre pote. Il y en a un là-bas, attendez. Voilà. Tiens. Bon. On va changer d'arme. On va mettre un machin pour recharger. On va remettre des balles, je veux dire. Voilà. C'est intéressant ce machin des balles parce qu'au moins on peut en avoir d'autres. Parce que c'est souvent de pouvoir en avoir et après aller chercher vite des armes là-bas. C'est pour ça que j'ai pris ça. J'ai pris le machin des balles. Bon, il y en a où là, des connards? Oh, y'en a là-bas. Et on a là-bas, on va tirer sur ce type là-bas. Tiens. Meurs. Mais c'est pas vrai. Tiens. Oh, mais meurs. Bon. Y'en a où encore? Oui, attends, j'arrive.
Allez, viens, viens. Ah, tiens, tiens. Tiens, je remets ça. Tiens, tiens. Meurs. C'est pas vrai, tiens, meurs, meurs, meurs. Y'en a un là-bas, là. Putain, je tire plus tout à l'heure, ils m'ont repéré même pas, le mec. Allez, hop. Tiens, tiens, tiens. Tiens dans ta gueule. Le mec. Clairement à fond le type, hein. Eh, tiens dans ta gueule. Attendez. Hop. Allez là, venez. Attention, là. C'est pas vrai, il s'est replanqué le type. Voilà. D'abord. Eh ben, on va y aller, on va aller. On va pas rester toute la journée ici, hein, quand même, hein. Parce que ça commence à être fatigant, hein. Allez, on va suivre ces fils de pute là-bas. On va aller à sa rencontre. Attendez. Hop. Voilà. On est là. Tiens, tiens. Y'a quelqu'un qui tire là. Oh, les putains. En train de se faire tuer par une voiture Tsuchi. Oh putain. Il y en a là-bas. Et il y en a là-bas. Comment je vais le faire celui-là? Oula putain. Enfoiré là. Comme il a dit l'autre. Alors on va aller doucement. Là il y a un machin électrique. Bon on va aller tout doucement. Moi j'ai pas envie de me faire bousiller, hein. Alors, je vais aller doucement et... Tiens, j'ai envie d'exploser ça. Tiens. Ça me fait plaisir. Pouh, voilà l'explosion. Ça c'était juste pour me faire plaisir en fait. L'entrée, tiens, tiens. Voilà. Attends, on va se calmer, on va aller doucement, ne pas se blesser, il est où? Tiens, il est où? Ah, voilà, il est fini. Oh, oh merde, ils sont tous sur le côté. Tiens, 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 tiens. Voilà. C'est pas bon pour... Maintenant, on va se cacher ici. Attendez, est-ce qu'il y a des sauts? Là, il y a au moins trois salauds. Tiens, tiens, tiens. Deux salons maintenant, il reste. Venez. Hey, de ce côté. Non, non, mais pas de ce côté, on est de l'autre côté en fait. Allez, sortez. Tiens, tiens, tiens. Oh merde. Coucou. Oh merde, mais c'est quoi ça? Putain, mais je sais même plus viser. Tiens, ouais. Putain, mais... Le mec il s'est fait exploser lui-même. Il y a un bon con de type, hein. Oui, il y a un truc important. Ah là-bas il y a un truc important, d'accord. On va y aller alors. Alors. Hop. Et on casse la porte. Coucou, il y a quelqu'un? Là, on a trouvé le filon. Il y en a pour 9,9 millions de dollars de cocaïne. T'es le Rain Man de la drogue ou quoi? Bon, allez, on va laisser ça aux flics. Y a pas moyen que je laisse ça aux flics. Mais tu ferais quoi de tout ça? On est à Los Angeles. En 6 jours, je peux tout liquider. Non, je peux faire mieux. Je connais un basketteur pro. 4 jours. Tyson, je plaisante pas. On y va. Je laisse pas ça traîner ici. Si tu veux m'aider, te gêne pas. Sérieux, doit piquer des pointes à 2 à l'heure. Tu seras Hollywood dans une semaine, mon gars. Oh, c'est pas vrai. Hey, Tyson. Pas à l'œuvre. Alors qu'est-ce que tu fous? C'est cette saloperie, je suis presque libre. Viens, alors tu sors de leur vitesse. Tyson, bordel de merde. Tu te mets derrière et tu pousses. Allez.
Oh mais viens ici toi. Putain, le mec il allait se faire démonter par par un train. Oh c'est bon, pas besoin de se foutre de nous hein. Bon, tu nous dis ce que tu fais ou pas? Oh, tu tiens vraiment à ce que j'explique le truc super technique que je suis en train de faire? Bah oui, c'est ce qu'elle est en train de demander. Non. Oh, attendez voir. Qu'est-ce qu'il y a? Une invitation envoyée à Kang. La liste des invités est intéressante. J'ai bossé pour la moitié d'entre eux. La fête aura lieu sur le mont Olympe. C'est un genre de code? C'est vrai que c'est un nom à la con, mais le quartier existe vraiment. La petite teuf commence ce soir, minuit. Kay et moi, on ira. Ça te branche? Ah, les fêtes, c'est pas ma tasse de thé, mais... ça marche. Ah, bah... ah ouf. C'est dommage que c'est sympa, sa fête de thé, parce que je l'aurais bien invité, moi. Oh, on va se taper... on va aller dans une baraque. Ah, ça va être très intéressant, ça. Ça, ça va beaucoup me plaire dans une maison. Alors... oui, cet appareil. Par Boomer. Il a travaillé allez. Sur un mat de voleurs de banque. Faut qu'on trouve comment entrer, en évitant l'entrée principale. On entre là-dedans avec discrétion. Je pense qu'on est déjà dedans, non? À mesure du possible. À qui appartient la maison? Neil Rourke, une pourriture notoire. Il donne dans le trafic de drogue et d'armes. Bref, le candidat parfait pour créer une police privée avec Dawes. C'est ce que je pense. Il a une grosse sécurité, voilà pourquoi. J'ai apporté ça. T'inquiète pas pour les alarmes. Le courant est coupé. C'est juste l'éclairage d'urgence. Le courant n'est pas rétabli. Pas de panique. Boomer sait ce qu'il fait. Nick, il y a une fenêtre dans la salle de gym. Allez, on va aller là-bas. Entrée, désolé, c'était ma petite sœur. T'es rentrée sans faire exprès. Okay. On entre là-dedans. Non, c'est pas grave. Bon, on va rentrer dans la maison. Hop. Et hop. Voilà. On y est. Maintenant, il faut trouver... Wow, la belle maison. Boomer a dit que plein de connards assistaient à la réunion. Alors, on va rentrer dedans. Alors, vraiment une jolie maison, hein. C'est moi ou cet endroit a l'air un peu trop calme? Ouais, ça c'est vrai, ça. J'ai pas à me plaindre. Mais en tout cas, elle est belle, la maison, hein. Faut vraiment se la péter pour vivre dans un endroit pareil. Faut surtout être très riche. En haut. Ah bah je voudrais voir la même moi. Putain de combien d'assez hein. Putain de vue en prime. Je parie qu'il a beaucoup de... il a vraiment fait beaucoup de... de trucs pas bien pour avoir tous ses sous. Excuse, j'ai pas été à mon portable. Je suppose que c'est ton premier cambriolage. Ouais là c'est vrai, allez, tiens ton téléphone, tu crois qu'on est où là? Que c'est chez nous ou quoi? Ah mais... vraiment, hein. Les magiques, ils sont plusieurs dans la barrique et ça atteint ton téléphone. On n'a vraiment pas dans la merde après. C'est ce que disait l'email de Kang. Ah. Cherche un endroit où poser les. Allez, on y va. Voilà, on est ici. On va mettre un petit truc ici. Voilà. Ok, bouge en place. Allons-y. Oh oh. Merde. Allez. Oh, ils sont dans un placard. Est-ce qu'ils vont faire l'amour ou quoi? Je rigole. Je croyais que ça devait commencer, Camille. Changement de programme. C'est par ici, messieurs. Je vous en prie, faites comme chez vous. Je pensais que Kang allait nous rejoindre. Kang ne viendra pas. Sa femme est malade. Malade? Elle a 25 ans. Elle a quoi, le nez qui coule? Kang n'est plus dans la course, version officielle. Voilà pourquoi la rencontre a eu lieu plus tôt que prévu. Je croyais que vous étiez chargé de sa protection. Nous offrons plusieurs niveaux de sécurité.
Qui l'a tué? Vous? Moi, je me casse. Messieurs, asseyez-vous. Fermez-la. Laissez parler notre homme. Vous savez, on n'a pas besoin de se compliquer la vie. À Miami, on a négocié des trêves avec un tas de connards dans votre genre. Et au final, on a toujours réussi à s'entendre. En discutant. On ne veut ni votre territoire, ni vos produits. On contrôle tout un réseau de flics, de sous-traitants militaires et douaniers. Vous nous payez. On vous fait profiter de ce réseau. Ça a marché à Miami. Alors, je préférerais voir nos sommités locales se mettre à penser en homme d'affaires. Bien joué. Pour fêter notre accord, une limousine va déposer ici la fine fleur des étudiantes à mi-temps les plus délurées d'Hollywood. Si vous voulez bien vous rendre dans la salle de luxure, amusez-vous bien. Vous voulez me parler de quelque chose? Il se pourrait que l'assassin de Kang soit un vieil ami. J'ai quelques personnes à voir. Mais je repasserai dans la soirée. Votre argent sera gardé dans mon coffre le plus sûr. Soyez tranquille. Allez, on y va. Il est six, salaud. Carré. Si on va prendre des sous. Tête, on peut encore l'avoir. Oublie Stoddard, j'ai une idée. Hein? Passe ton téléphone. Ok. Pourquoi? Il y a des trucs importants dessus. Juste le jeu, quand des trucs. Si on arrive à le planquer dans une de ses valises, on pourra le suivre. Tu veux voler le fric de Dose avant qu'il ait le temps de le blanchir? Ouais. Ce serait plutôt marrant, mais tu te débrouilleras seul. Attends, quoi? Oh là. Il faut que je parle au sergent Stoddard avant qu'il s'en aille, et on peut pas s'infiltrer tous les deux dans cette maison. Oh. Allez, viens. Aide-moi à monter. J'aurais jamais dû te faire confiance. C'est personnel. Personnel? T'as aidé Dose et Stoddard à m'envoyer en tôle pendant 3 ans. C'est pas personnel, ça? Désolé de te décevoir. Ma mère est morte quand j'étais en prison, Kai. Oh, merde, Nick, tu sais quoi? Ferme-la. Je m'en branle de ce que tu fais. Ça dure l'enfance, alors. Le mec, il va en prison et sa mère meurt, en plus. Peut-être elle est morte de dépression. Bon, est-ce que... On dirait qu'il n'y a personne en bas. Bon, allez, on va descendre. Allez, on y va. Ça va aller tout doucement. Non. Oh, il y a quelqu'un qui est là. Le courant était coupé quand on est arrivé. Là, là, c'est plus comme au début. Il y a beaucoup de monde. Hein. Ça se voit qu'ils sont tous revenus. Hein. Voilà, il y en a un assommé. Putain, depuis tout à l'heure. Pas un peu violent. La vieille d'ailleurs, quand même. Boulot, on insiste à tuer les gens. Attends, où est-ce que je vois? Il est là, juste là. Hé, hey, le mec qui attend pas que son pote se fait tuer. Le mec concentré sur son jeu. Putain de merde. D'accord, hein, s'il y avait une guerre, imagine une guerre à côté de lui, il s'en fout, le mec, il joue. Non, c'est bien, hein. Bon, c'est pas grave, hein. Je le laisse faire. Viens, petit, viens. C'est quoi, ça? Regardez, on va se mettre ici, on va attendre la dernière minute. Coucou! Tiens! Oh là, ça, vous aviez bien entendu! On l'a coupé capitale, type. Bon, on va descendre petit à petit en bas. Elles arrivent dans combien de temps, les putes? Hey, les putes! C'est des travailleuses du sexe, mon pote. Pardon. Elles arrivent quand, les filles? Allez, je vous... Allez, je vais vous défendre, hein, les filles. Hein. Vous verrez ce que je vais leur faire. Alors, comment vous traitez les filles, vous? Attends, je vais assommer l'autre, là. Je vais te faire montrer que... c'est pas bien de traiter mal les filles.
Alors, je m'approche, attendez, je ralentis. Tiens ! Voilà. C'est quoi ça, de traiter les filles comme ça, fils de pute ? C'est vraiment des machos, hein. Allez, toi aussi, tiens ! Allez, on y va. Ah, c'est vraiment un rêve de vivre dans cette baraque, hein. Ce serait un rêve pour moi de vivre dans une grande baraque comme ça. Alors, on sait comment... Vous voyez là, je vois. On a vu quelque chose. Comment il m'a vu? Comment ils m'ont vu? Putain. Attendez, tout doucement. Là, je me mets là. Y'a un type mort de ce côté. Non, ils sont pas morts, ils sont juste assommés, t'inquiète pas, hein. Non, ils sont pas morts. Bon, mais c'est quoi? Non, mais en fait, ça va peut-être me faire une diversion, ça. Attendez. Ne passe pas par là. Oui, tournez, vite. Vite. Tournez. Voilà la petite. Maintenant, je vais aller où maintenant? Alors, en fait, ça m'a bien servi, ça. Ouais. Bon, on passe à la suite. Une belle diversion, même ça, même pas voulu en plus. C'est génial. Ça, la limousine aura du retard. C'est bon, la mise au... T'inquiète pas, c'est moi la mise au... Voilà. Le mec qui était en train de parler, le mec qui va dire Allô. Vous êtes encore là? Allô. En fait, il est pas là, il est assommé. Il doit être en bas, eux. Alors. Oui, ils sont là. C'est cool la musique, ils font une boum en plus. On va aller doucement, on va se mettre lui. Tant qu'ils se retournent pas, ça va. Alors. Fils de pute, t'arrêtes de boire. C'est pas le moment, hein. On peut rentrer plein air dans cette baraque, hein. Tout le monde fait, il joue. L'autre il fait son sport là-bas, il saurait même pas qu'il y a une personne. Bon, allez, on va aller doucement et on va l'assommer. Tout doucement. Et boum! C'est bon. On a... Faire attention qu'ils ne remarquent pas de là-bas. Tu les intéresses pour l'instant, je pense. C'est moi où j'ai entendu des armes tirer. Ça devient d'en bas, attendez. Alors, tout doucement. Hop, je vais ouvrir la porte. Ouais, attendez. Tout doucement. Attendez. Ouais, tu t'arrêtes. Voilà. Ah, bah pour une fois, j'ai mis les monottes. Hop. Oh, bah c'est bien, on en a arrêté un. Hein. Et c'est bizarre qu'on peut l'arrêter de façon... C'est vraiment bizarre. Vous savez pourquoi je dis c'est bizarre? Parce qu'on n'est plus un flic. Et d'habitude, on devrait pas les arrêter. Comme on n'est plus des flics, c'est qu'on a plus d'aide menottes. Après, j'en sais rien. Après, c'est dans le jeu. C'est la vie, c'est comme ça. Hein. Bon, allez, on va rentrer. Là, on est vraiment mal posé parce qu'il peut nous voir d'en bas. Regardez. Même s'il y a le truc marrant. Moi, je préfère monter ici dans le buisson. Voilà, maintenant, c'est bon. Bon, là, je dois arriver, là.
Ouais, viens la boîte là-bas, regardez. Attendez. Je te promets qu'il n'y a ni drogue ni gonzesse, putain. Ouais, bah c'est bizarre, tout à l'heure, l'autre il a marqué des gonzesses. Alors. Elle l'a envoyé chez. Attendez, je vais aller doucement ici. Allez, recule, voilà. Alors. Attendez, qu'il monte. J'espère qu'il tombe pas de mon côté. Hein. Mais on dirait que le truc qui l'intéresse, lui, c'est d'aller en boîte. C'est pas vrai, je suis criminel. Attendez. Allez. Hey. Il y a de la coke. Et quand est-ce qu'on graille ? Bientôt. Allez, on descend. Tu me le fais saignant, le mien, hein ? Voilà. Qui mange saignant. Ah, c'est bon. Ah, enfin, on est arrivé. Ça y est, il est prêt, mon steak. Bon, les deux, ils sont en train de parler, alors ils s'occupent plus de la... C'est vraiment des mauvais voleurs, des mauvais gardes. Hein. Je suis passé comme de rien. Ah, c'est beau cette pièce. C'est bon, on est dans un musée ou quoi? Bon, allez, on va continuer vers le haut, on va monter, je pense. Tout se passe en haut, je pense. Allez, hop. On va quand même aller doucement, au cas où que on n'a pas une surprise. Hop. On va ouvrir la porte et on va mettre le téléphone. Ouais, quand même, c'est louche qu'on est rentré comme ça dans cette baraque. Je sais pas pour vous, mais c'est vraiment louche. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va nous attendre. Est-ce que quelque chose va nous attendre ou il y aura une explosion, un truc comme ça? C'est peut-être un piège, hein. On sait pas. Voilà. Apparemment. Tu sais pas qui je suis, parce que sinon, tu t'amuserais pas à venir me voler. Il en faut plus pour me faire flipper. T'as l'air mexicain, donc tu dois être un cambrioleur. Mais je pense que t'es pas un cambrioleur ordinaire. Il y a plein de propriétés plus faciles à braquer dans le coin. Et pourtant, t'as choisi la mienne. Je me demande bien pourquoi. C'était un bon challenge. On va... pimenter le défi. J'ai appuyé sur un bouton et une dizaine de psychopathes déchaînés équipés d'armes automatiques vont appliquer. Cool pour nous. Tu flippes toujours pas? Non. Alors là, ça m'étonnerait, de mon point de vue en tout cas. ça va chérie. Très malin. Deux hommes sur le coup. Façon de parler. Toutes mes félicitations. Vraiment. Mais... si j'étais vous, je prendrais tout le fric que je peux et je le claquerais rapidement. Acheter de l'or, un bateau de croisière, parce que je vais pas vous lâcher comme ça. Ça, croyez-moi. Oh, c'est bien, tu l'as bien assommé. Allez, dégage. Salut. Comment rentre-t-il? Faut que tu coupes l'alarme. Ça servira pas à grand-chose. Il y a plein de types qui arrivent. Oh putain. Ah bah voilà, on se retrouve en bas maintenant. Ah, attendez, je vais courir pour... Attendez, oh, il y a un douille. Oh, calmez-vous, oui. On a envie de s'échapper vers ici, là. Fermez la porte. Et là, je suis au blog et je vais me cacher ici. Allez, tiens. Ah la nation. Ça va pas me déplaire. Ils sont où là? Voilà. Tiens. Le mec il est même pas mort. Tiens. Voilà. Est-ce qu'il est encore fils de pute? Oui, il est fils de pute, allez, tiens. Il meurt même pas le type. Tiens. Ouais, tiens. Dans sa tête, il meurt même pas le mec. Attendez. Ils sont où là? Attends, tiens, toi qui me fais chier.
Attendez, attendez, tiens. Tiens, mais tu vas mourir, oui. En arrière, tiens. Allez. Il est pas là. Attendez, je vais me mettre là. Tiens. Je pense qu'il y en a un dernier ici. Coucou, tiens. Et la traversée en travers la salle. Travers la fenêtre. Oulala, la chaînée. Ouais, c'est, c'est bien enchaîné, hein, sur le type, hein. Suite, hein. Ah, merci de venir à notre secours, quand même, hein. Au moins, on n'aura pas à scotiner tout un tas de paperasses. Estoda, tu l'as eu ? J'ai pas essayé. Je me suis dit que t'aurais sans doute besoin d'un coup de main ici. Ah, bah ça, c'était sympa. Merci, au fait. Faut qu'on y aille. Un bisou. Qu'est-ce que Doz et Stoddart ont fait d'ailleurs ? Disons que j'ai pas toujours été du genre à entuber mes coéquipiers. Je vois. Juste pour info. L'objectif, c'est pas de tuer Doz. Pas pour moi. Ok. Alors c'est quoi l'objectif ? Pour toi ? Je veux sa ruine. Parce que c'est ce que lui fait. Il ruine les gens. Et Stoddart ? Stoddart, je me contente de le buter. T'auras d'autres occasions, je suis prêt à le parier. Après ce soir, c'est lui qui viendra nous chercher. Bon, les amis, c'était super cette mission. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez aimé. Je vous dis à très bientôt sur cet épisode. Et je vous dis bis tout le monde.